éternel. Je prie, Seigneur, qu'ils soient inscrits au ciel. Que des âmes soient sauvées ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu touches les malades. Ôte leur maladie. Brise tout juste ce soir. Et détruis les œuvres du diable. Fais des merveilles ici ce soir. Visite ton peuple. Fais quelque chose d'inoubliable dans toute vie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donne-moi un bon amen à Kébi. God bless you. Can sit down. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Je vais voir un verset de l'Écriture. À Ésaïe chapitre 1. En Ésaïe 1. Nous lisons le verset 18. Ésaïe 1 verset 18. Venez plaidons. There's an invitation from the Lord. Il y a une invitation de la part du Seigneur. Parce qu'il veut toucher votre vie. Remarquez ces deux mots-là. Numéro 1, l'invitation. Numéro 2, l'impartition. Lorsque Dieu invite quelqu'un, c'est pour un objectif. Il veut faire quelque chose. Il veut réaliser quelque chose. Dans votre vie, c'est pourquoi il dit viens. Il dit venez. Il vous invite. Il voit votre condition là où vous êtes. Il voit votre pauvreté là où vous êtes. Il voit votre tristesse là où vous êtes. Il connaît votre maladie. Il connaît vos larmes. Il connaît vos défis. Il est notre créateur. Tout est possible avec lui. Il est le puissant Dieu. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? À cause de l'état de votre vie, la condition de ta vie, tu t'es facile à Dieu de traiter pour toi. Il sait que vous ne pouvez pas avoir une solution ailleurs. Il sait que ce soir, c'est le soir de votre solution. C'est le soir de ton salut. C'est le soir de la puissance de Dieu. C'est le soir où il déplacera toutes vos montagnes. C'est pas comme il vous invite ce jour. Il dit, venez. Il dit que venez plaidons. Que voici votre heure. Qu'aujourd'hui c'est votre jour. Et que c'est maintenant que vous devez venir. Il vous invite. C'est une invitation gratuite. C'est une invitation opportune. C'est une invitation personnelle pour vous. Et quand vous répondez à cela, l'invitation va se charger en impartition. Dieu va vous transférer quelque chose dans votre âme. Il va vous donner quelque chose que vous n'aurez jamais à perdre, quelque chose que vous ne pourrez jamais rater, quelque chose que vous n'allez jamais l'oublier. Un miracle, une merveille, le miracle du salut. Il va pardonner vos péchés ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce jour? Il va pardonner vos péchés ce soir. Il va changer votre vie. C'est ce qu'il impartit à vous. Il impartit le salut, le pardon. Il impartit la justice. Il vous communique la vie éternelle. Il vous donne le salut. L'impartition de sa guérison. Le transfert de sa guérison. L'impartition de briser le joug. L'impartition de faire des miracles dans votre vie. Ce soir sera un soir merveilleux pour vous. Où êtes-vous là-bas? Il guérira votre corps. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les paralytiques se lèveront et marcheront. La toute-puissance de Dieu va venir sur vous et briser tout ce qui dérange votre vie. Je pense ce soir du thème l'invitation de Dieu pour une grande impartition. L'invitation de Dieu pour une grande impartition. Je lis pleinement ce verset. En Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et puis verset 19 dit, si vous répondez à cette invitation, si vous répondez à l'appel de Dieu, dis oui Seigneur, me voici. Je sais que tu m'appelles et je viens à toi. Si vous donnez une réponse positive, dis oui Seigneur, je viens. Tu me dis de venir maintenant, je viens. Tu me dis de venir maintenant, je viens à cette heure même. Si tu vas faire cela et tu vas répondre positivement au Seigneur, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Être, avoir de la bonne volonté, être docile. La bonne volonté et la docilité. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la voix de Dieu, lorsque vous écoutez l'invitation de Dieu, et vous voulez que Dieu fasse quelque chose de merveilleux dans votre vie, la façon de vous connecter à la chose merveilleuse, et la façon de vous connecter au salut, la façon de vous connecter à la guérison, c'est que vous répondez aussitôt, disant, Seigneur, me voici, je veux, je suis obéissant, je réponds à l'appel. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Alors, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Si vous avez de la bonne volonté, que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela veut dire qu'un miracle vous arrivera. Cela veut dire que vous aurez le salut. Cela veut dire que vous serez délivré. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est la volonté personnelle. Vous n'attendez pas les autres. Vous ne regardez pas ci, par là. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui réponde? Y a-t-il qu'une autre personne qui se soumette? Y a-t-il quelqu'un là qui donne sa vie au Seigneur? Cela ne vous dérange pas. Si vous, en particulier, vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile à son appel et vous dites de venir et vous venez réellement et que vous allez manger, vous aurez, vous allez posséder les meilleures productions du pays. Dans ce pays des vivants, la bonté de Dieu viendra sur votre vie à cause de l'impartition dans votre vie. God's invitation for a great impartation. L'invitation de Dieu pour une grande impartition. As you look at that passage I read to you now, comme vous voyez le verset que je vous ai lu, nous allons remarquer là-bas trois choses. One, a gracious call from the merciful God. Un, l'appel gracieux de la part d'un Dieu miséricordieux. Il l'appelle gracieux. Il vous appelle par la grâce. Vous ne méritez pas son appel. Comment pouvez-vous mériter son appel? Vous êtes pécheur. Tous les hommes nés sont pécheurs. Ceux qui n'ont pas goûté le calvaire sont pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Connaissez vos péchés, connaissez votre mal, connaissez vos ténèbres, connaissez votre mentalité. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu est parfait. Vous êtes imparfait. C'est par grâce que le Saint Dieu appelle l'homme injuste, la femme injuste. C'est par la grâce qu'un Dieu parfait appelle à un homme qui n'est pas parfait tel que toi. C'est par la grâce de Dieu que celui-là, Dieu qui est très au ciel là-bas, appelle un homme qui est en bas ici. From the merciful God. L'appel est gracieux de la part d'un Dieu miséricordieux. You, there is great cleansing by our mighty God. Numéro 2, la grande purification par notre puissant great Dieu. Cleansing. La grande purification. Que je vais te laver, je vais te purifier, je vais te nettoyer, je vais te purifier, je vais te nettoyer, te rendant aussi blanc que la neige, aussi blanc que la laine.
Alors quand vous venez, il va vous transférer la justice. Il va vous donner le pardon et la liberté totale dans, à votre vie. C'est quoi il dit? Il dit, venez plaidons, dit l'Éternel. Il dit, mais si vos péchés sont comme le cramoisi, et s'ils sont comme la pourpre, il dit, mais ils deviendront comme la neige. Je sais qu'ils seront comme la laine. Il va vous purifier ce soir. Il va vous purifier. Il va vous purifier. Il ôtera toute saleté de votre vie. Il ôtera toute souillure de votre vie. All that evil sin, he'll take away from your life. Il ôtera les choses mauvaises de votre vie. Il ôte la culpabilité. Il ôte la condamnation. Il ôte toutes les choses souillées dans votre vie. La grande purification par notre puissant Dieu. Troisième point, la grande cure. La glorieuse cure, la cure merveilleuse par le merveilleux Dieu. Il peut guérir vos maladies, il peut ôter vos infirmités, il peut ouvrir vos yeux aveugles, il peut faire marcher les lépreux, les boiteux, il peut ouvrir les oreilles sourdes, il peut délier les langues liées, parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu faiseur de miracles. Il peut prendre votre vie et chasser tout ce qui ne doit pas s'y trouver là-bas. Le démon là-bas va fuir votre vie. Le mauvais esprit va vous abandonner ce soir. Tous les dérangements dans votre vie, le Seigneur va tout ôter cette nuit. Vous serez affranchi. Quelqu'un là-bas sera affranchi. Affranchi du péché. Affranchi de la maladie. Affranchi des afflictions sataniques. Parce que c'est un bon Dieu, un grand Dieu. Et il y a une grande cure qu'il apporte à votre vie ce jour. Cela va se produire. Quelqu'un aura son miracle là-bas. Je dis, quelqu'un là-bas va recevoir son miracle. Cela va venir sur vous au nom de Jésus-Christ. L'invitation de Dieu pour une grande impartition. Bon, premier point maintenant, la paix gracieuse de la part d'un Dieu miséricordieux. Verset 18, il dit, venez, c'est surprenant que Dieu nous appelle à venir. C'est surprenant que Dieu appelle une personne telle que toi. Voilà les riches de ce monde-là. Oui, il dit, vous les pauvres, allez, restez chez vous là-bas. Voici le Dieu qui est riche dans la gloire. Il appelle celui qui est pauvre sur la terre. Parfois, quand quelqu'un s'habille bien, voit un petit enfant, un garçon, une fille, qui est très scellé et souillé, et vous voulez vous éloigner de l'enfant, vous ne voulez pas que l'enfant la salisse vos bons habits. Voici le Dieu pur, parfait, saint du ciel. Il vous appelle, vous en particulier. Vous savez combien vous êtes sale, combien vous êtes pécheur, combien vous êtes souillé. Et ce Dieu sait appeler l'homme injuste. Certains croient que je suis très, qu'ils sont trop sales, qu'ils ne peuvent pas venir à Dieu, que Dieu est si grand. Je suis très petit, je ne peux pas venir à lui. C'est la grâce de Dieu. Oui, bien qu'il soit grand et merveilleux, il appelle celui qui est sale, souillé et petit. Il dit, venez. Il veut me faire du bien. Il est riche dans la gloire. Il est riche en miséricorde. Il est riche en amour. Il est riche en tout ce que vous voulez. Vous voici, vous souffrez. Il peut régler vos problèmes.
Il va résoudre vos problèmes. Ce soir, la solution est arrivée. Il va résoudre le problème là ce soir. Faut plus vous déranger, il va ôter l'angoisse. Faut pas te déranger, il va ôter la culpabilité. Il va ôter la condamnation de votre vie. Il vous aime plus que tout homme sur terre. Il vous aime plus que tout père sur terre. Il vous aime plus que toute mère sur terre. Lorsque vous égarez de lui, vous faites quelque chose de mauvais. Parfois vous êtes si mauvais que papa dit, moi je ne vais pas te voir même. Parfois on est vraiment si mauvais que papa dit, n'utilise pas mon nom. Parfois on est vraiment si mauvais que faut pas venir dans cette maison, hein. Mais Dieu est plus doux que votre Père céleste, votre Père terrestre. Dieu est plus aimable que votre Père terrestre. Dieu est plus grand que votre Père terrestre. Quand tout le monde vous rejette, quand tout le monde vous désavoue, vous dénigre, quand tout le monde vous fait sentir sale et pécheur, il dit, moi je t'appelle, je veux que tu viennes. C'est moi qui vais te purifier. C'est moi qui vais te pardonner. C'est moi qui vais te changer la vie. À cause de cela, il dit, venez. Et c'est la plus grande sagesse à jamais manifester. Que Dieu m'appelle. Le Tout-Puissant m'appelle. Celui qui peut changer ma vie m'appelle. Je vais à lui. Je vais à lui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes dans votre maison. Et le roi du pays, il veut te voir. Au lieu d'envoyer un homme simple à toi, il t'a envoyé son intime. Que va chez lui, frappe à sa porte et appelle-le. Dis-lui que le roi veut le voir. Je veux lui donner une parcelle. Je veux lui donner de l'argent. Je veux lui donner des richesses. Je veux lui donner des ressources. Et envoie la personne la plus proche de lui, la personne la plus fiable de son royaume à toi. Que va lui dire à comment allez-vous réagir. Et la personne tape à votre porte et vous ouvrez la porte. Dit que qu'est-ce que vous voulez? Dit que le chef de l'État t'a favorisé. C'est moi qui suis son second, son fils. Il m'envoie t'appeler. Il t'invite. Il est si riche. Tout ce dont tu auras besoin, il va te le donner. Et il va te faire ôter tes bagages. Le roi, tu vas me faire taire ton bagage que le roi m'appelle, le puissant m'appelle, le bon Dieu m'appelle. Tu ne veux même pas permettre quelque chose de t'empêcher. Tu vas abandonner tous tes projets. Quand il essaie de te déranger, tu l'abandonnes. Quelqu'un te dit que tu n'es pas de la même tribu que le roi, là, tu vas l'abandonner. Et puis tu viens. Et tu viens devant le roi. Tu te prosternes devant le roi. Qu'est-ce que je vous dis? Dieu est le roi de tout l'univers. Il veut te bénir. Au lieu d'envoyer un homme simple à toi, il envoie la personne la plus proche de lui à toi. Et il l'envoie dans ce monde. Son nom est Jésus. Et Dieu a envoyé Jésus à ce monde. C'est comme plusieurs fois quand vous lisez la Bible. Jésus disait chaque fois, celui qui m'a envoyé, Dieu a envoyé Jésus à toi. Il l'a envoyé t'inviter. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la rédemption. Je vous donnerai le pardon. Je vous donnerai le salut. Je vous donnerai la vie éternelle. C'est pourquoi Esaïe nous dit que venez, pas demain, venez,
pas la semaine, l'an prochain, venez. Pas lorsque vous serez vieux, venez. Pas lorsque vous serez sur le point de mourir, mais venez. Venez maintenant. Je vois des gens que Dieu a appelés dans la Bible. Dieu leur a dit la même chose comme vous le dites maintenant. Il a appelé un homme appelé Moïse. Il a dit à Moïse, viens maintenant. J'ai quelque chose pour toi. Je vais impartir quelque chose dans ta vie. Je vais faire usage de ta vie. Viens maintenant. Et l'homme là est arrivé. Il est arrivé à Dieu. Et Dieu lui a donné la vie. Et Dieu lui a donné le pouvoir. L'homme là n'était plus le même. Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Et la vie Pierre. Il dit, viens après moi. Et c'est maintenant. Et tout ça, Jacques l'a appelé. Aussitôt, ils ont tout abandonné. Et l'ont suivi. Ce soir, c'est votre tour. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce jour? Il dit, ce soir, c'est votre tour. Dieu m'appelle. Le Tout-Puissant m'appelle. Le Créateur du ciel et de la terre m'appelle. Celui qui veut me faire du bien m'appelle. Il veut me sauver m'appelle. Il veut me pardonner m'appelle. Il veut changer ma vie m'appelle. Il veut me transformer m'appelle. Il veut me faire du bien m'appelle. Je vais répondre. Je dis quelqu'un là-bas, je vais lui répondre. Quelqu'un là-bas, je vais lui répondre. Je ne vais permettre à rien de m'empêcher. Je vais lui répondre. Je ne vais permettre à aucun ami de me déranger. Je vais lui répondre. Je ne permettrai à aucun parent, à aucun cousin, à aucun oncle, à aucun frère, à aucune soeur, à aucun frère aîné ou cadet de m'empêcher. Je vais lui répondre. Il va me donner la richesse du royaume. Il va me donner quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose que je n'avais pas. Il vous appelle ce jour. Vous dites, oui, je viens. Oui, je viens. Et que venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Quand il dit de venir, et que de se déplacer de là où vous êtes, et que sors de ta vie passée. Viens à la vie nouvelle. Il vous appelle hors des ténèbres. Il vous appelle à la lumière. Il vous appelle hors du péché. Il vous appelle au sauveur. Il vous appelle hors du mal. Il vous appelle à la justice. Il vous appelle hors de votre faiblesse. Il vous appelle à sa force. Il vous appelle hors de votre souffrance. Il vous appelle à la vraie joie. Si vous êtes sage, l'homme sage viendra. La femme sage va venir. Vous n'allez permettre à aucune idée de vous empêcher. Vous n'allez permettre à aucune pensée, à rien de vous empêcher. Vous n'allez jamais permettre à votre entourage de vous empêcher. Vous n'allez même pas permettre à votre orgueil de vous empêcher. Parfois, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à une fête. Il nous appelle à un festin. Il dit, viens manger. Et puis on dit, j'ai mangé la semaine passée. Ah bon? Et aujourd'hui, parfois Dieu vous appelle, que viens à moi. Et que je vais à une bonne église. Tu vas permettre à la bonne église de t'empêcher d'avoir quelque chose de Dieu? Viens à moi. Je suis une bonne personne. Je suis heureux que vous soyez une bonne personne. Je suis content que vous soyez une bonne personne. Allez-vous permettre à votre douceur de vous empêcher d'avoir quelque chose de Dieu? Venez à moi et dis, je donne de le monde au mendiant. Oui, bien sûr. Nous devons le faire. C'est merveilleux d'aider les démunis. Allez,
allez vous permettre aux bonnes choses de vous empêcher de venir à Dieu? Il vous appelle aujourd'hui. Bien ou mal, il vous appelle. Doux ou méchant, il vous appelle. Proche ou loin, il vous appelle. Dis oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Où est la personne dont je parle? Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens à toi. Qu'est-ce qu'il va faire lorsque vous venez à lui? Qu'est-ce qu'il va faire quand vous venez? Je viens au deuxième point maintenant. La grande purification par notre puissant Dieu. Il n'y a rien si ça que ce Dieu tout-puissant ne peut jamais nettoyer, laver très pur. Il n'y a rien si souillé que ce Dieu tout-puissant ne peut plus recréer. Il n'y a rien qui soit si sale dans la boue qu'il ne peut pas retrancher et puis laver, nettoyer, purifier. Il va prendre le plus vil des pécheurs et faire de lui le plus vainqueur des saints. C'est ça, c'est son expertise. Il se spécialise à le faire. C'est quand vous êtes sale, il va vous nettoyer comme si vous n'êtes jamais sale. Vos habits sont sales. Il va les prendre, les laver comme si c'est du nouveau. Vous voyez, quand Dieu nous pardonne, quand vous venez à lui, il est si grand, si puissant. Il va ôter tout péché de votre vie, toute tâche de votre vie, toute souillure et toute crousse de votre vie, crasse de votre vie. Il va vous pardonner comme si vous n'avez jamais péché. Il va vous affranchir des péchés. Il va vous séparer de vos péchés. Il va ôter le péché de vous et vous ôter du péché. Dans votre conscience, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Dans le registre du ciel, c'est comme si vous n'avez jamais péché. En présence des anges, ce serait comme vous n'avez jamais péché. Devant Dieu lui-même, vous regardera comme saint, comme un homme qui n'a jamais péché. Et c'est par sa grâce, c'est par son amour, c'est par ce qu'il a fait au calvaire. C'est pourquoi il dit, venez maintenant. Et que si tu vas en jouir, si tu vas profiter de ceci, dit venez et plaidons, dit l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Plaidons. Qu'est-ce que cela veut dire? Plaidons. Comment comprenez-le? Plaidons. Et que comporte ceci corps à cœur. Donne-moi la raison pour laquelle tu crois que je dois te purifier, te pardonner. Que plaidons. Je viens à Dieu maintenant. Et nous allons parler ensemble. Que tu m'appelles. Et je suis arrivé. Tu as dit que tu vas me pardonner. C'est pourquoi tu m'as appelé. Et me voici, je viens à toi. Et nous parlons ensemble. Mais tu m'as envoyé Jésus. Tu as dit que tu ne veux pas que je me perde. Et lui m'a appelé. Et que le Père me l'a envoyé. Je suis pauvre. Je suis pécheur. Je suis un vaurien. Mais tu m'as pris comme étant très important. Et tu as envoyé Jésus m'appeler. Parce que tu m'as appelé, je suis arrivé. Oui, nous plaidons ensemble. Lorsque Jésus était arrivé, il était mort pour moi à la croix du calvaire. Et puis il a dit, c'est accompli. Et que mes péchés ont pris fin. Ma souffrance a pris fin. Ma maladie a pris fin. Ma perdition dans l'éternité a pris fin. Parce qu'il a dit que c'est accompli, je viens à toi. Oui, nous plaidons.
que tu as dit dans ta parole que je ne mettrai pas dehors, que la personne soit née à gauche, que la personne soit née à droite, que je ne mettrai pas dehors, que la personne soit membre d'église, que la personne ne soit jamais un membre d'église, je ne mettrai pas dehors. Que ce soit un lettré, que ce soit un illettré, je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, nous plaidons. Parce qu'il a dit que tu recevras celui qui vient à toi. Donc je viens à toi. Tu m'as dit de venir tel que je suis. Que je ne sais pas de me rendre propre moi-même. Que je ne fais pas d'améliorer quelque chose. Tel que je suis, que je vienne. Que tu me pardonneras. Que tu feras la purification. Que tu feras le changement de vie. Je viens. Nous plaidons. Que venez. Et plaidons. Dit l'Éternel. Et quand vous venez, quiconque cache ses péchés ne prospérera pas. Parce que celui qui cache son péché, il insulte Dieu. Et que Dieu, je sais que tu ne peux pas voir ce qu'on dit que tu vois. Tu ne connais pas ce qu'on croit que tu connais. Je sais que si tu ne l'as pas vu, c'est pourquoi je le cache de toi. La personne insulte Dieu. Quand le roi vous invite, il ne vous invite pas à venir l'insulter. Il vous appelle à comprendre qu'il est le Dieu de toute connaissance. Il connaît tout ce que vous avez fait. Donc il n'a pas raison de le dire que Dieu, je suis un bon homme. Je suis meilleur que l'autre là. Je suis meilleur que l'autre là. Je fais ceci, je fais cela. Vous l'insultez. Vous croyez que Dieu ne connaît pas ce qu'il a réellement connu. Donc n'allez pas faire cela. Mais celui qui confesse et avoue ses péchés aura miséricorde. Obtiendra miséricorde. Tu viens que me voici. Voici celui que je suis. Je ne suis pas aussi bon que ce que les gens croient. Je ne suis pas autant bon que ce que les gens du monde disent. Je ne suis pas autant bon que ce que le proviseur dit. Je ne suis pas autant bon que ce que le pasteur dit. Tu me connais, je me connais. Seigneur, je viens. Celui qui confesse et avoue ses péchés aura miséricorde. C'est pourquoi il dit, viens. Plaidons. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Confesse tes péchés. Et abandonne tes péchés. Et puis il dit, si vos péchés, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce soir, Dieu va vous laver tout pur. Il va pardonner vos péchés. Il va ôter tous vos péchés. Il va ôter la condamnation. Qu'est-ce que la condamnation? Et c'est Satan qui frappe à votre tête chaque fois. Tu es un homme mauvais. Tu es une mauvaise femme. Et il vous cogne la tête chaque fois. Tu es une mauvaise personne. Je sais que tu es mauvais. Je sais que tu es mon esclave. Je sais que tu es mon serviteur. Cela est la condamnation. Mais quand vous venez à Dieu ce soir, tous ces points de tous ces coups de diable, ces condamnations de diable, le tout bizarre va ôter tout. Il va vous affranchir. Vous allez regarder, vous ne verrez plus ces choses-là. Vous ne verrez plus ces choses mauvaises. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, et ils deviendront comme la laine. Et si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile ce soir, qu'est-ce que cela veut dire d'être, d'avoir la bonne volonté et d'être docile? Vous allez vous lever et dire que je vais à Jésus. Je vais au Seigneur parce qu'il m'appelle. J'abandonne tous mes péchés, il m'appelle.
J'abandonne la condamnation, le Seigneur m'appelle. J'abandonne la culpabilité, le Seigneur m'appelle. Je veux me plonger par la foi dans le sang de l'agneau qui me purifie. Avoir de la bonne volonté, être docile. Et puis vous allez prendre part à la bonté du royaume de Dieu. Numéro 1, c'est un appel gracieux et vous appelle. Vous savez que vous ne le méritez pas. C'est à cause de sa miséricorde qu'il vous appelle. Numéro 2, il a une grande purification. Il va vous purifier. Il va vous laver. Il va ôter la condamnation de vous. Parce qu'il est puissant pour sauver. Il est puissant pour purifier. Il est puissant pour pardonner. Il est puissant pour changer votre vie. Il est puissant pour vous transformer. Et maintenant, la grande cure. Il va ôter vos maladies. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un puissant amen. Parce que si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, est-ce que vous savez comment ce que cela veut dire est avoir de la bonne volonté? Regardez l'homme aveugle. Il savait qu'il ne peut pas s'ouvrir, il ne peut pas ouvrir les yeux lui-même. Il est allé partout, mais il n'y a pas de solution. Maintenant, il a entendu parler de Jésus. Que Dieu a envoyé Jésus d'apporter la vie, la lumière à ces ténèbres. Et il a de la bonne volonté et il est docile. Il est venu à Jésus. Et que j'accepte que tu es la seule personne qui donne la vision aux aveugles et donne la lumière dans les ténèbres. Et il a de la bonne volonté et il est docile. Alors il y aura l'impartition. Les yeux aveugles s'ouvriront. Regardez le paralytique là. Il a tout fait. Il a essayé de marcher, ne le pouvait pas. Il a essayé d'avoir le miracle, ne le pouvait pas. Il a visité des gens qui pourraient masser ses jambes, mais il n'était pas en mesure de le faire. Finalement, il s'est donné au sort. Et il est assis dans son fauteuil roulant. Que c'est là que je vais m'asseoir jusqu'à la mort. Et puis il a entendu parler de Jésus qui est venu du ciel, que le Créateur, le Dieu du ciel a envoyé d'aller faire ce que Dieu avait fait au commencement de la création et de faire lever l'homme boiteux là, paralytique là. L'homme a dit, j'ai entendu parler de Jésus, il peut tout faire. Il peut me faire sortir de ce fauteuil roulant. Il peut ôter les béquilles de ma main. Il a la puissance de recréer ma vie. Et il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, il va se lever de ce fauteuil roulant. Il va jeter les béquilles ce soir. Il sera bien portant. Il sera fort. L'homme qui était incurable est venu au Seigneur. Pourquoi venait-il? Pourquoi vient-il? S'il a de la bonne volonté et qu'il est docile. Regarde la femme là qui a tout dépensé pour les médecins et tout va empirant. Et la femme là saigne. Elle est très anémiée et exsangue. C'est comme tout, il y a plus de sang en elle. Et presque elle se rendait à la mort. Même si elle entendait parler encore de l'autre docteur, elle ne pouvait parler parce qu'elle a tout dépensé. Et maintenant, elle a appris que Dieu a envoyé Jésus de guérir des maladies incurables. Que si quelqu'un viendra, si l'aveugle vient, il va le guérir. Si le paralytique vient, il va le guérir. Si l'incurable vient, il va le guérir. Et que j'ai la volonté et je suis docile. Et puis elle est arrivée. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je veux et je suis docile. Elle a touché le bas de son vêtement. Aussitôt, la peur de ça a séché. La maladie incurable ce soir sera ôtée. Vous êtes pécheur, mais il veut vous donner le salut.
J'ai appris que quelqu'un est venu à Christ. Tout le monde le reconnaît pécheur. Lui-même savait qu'il était pécheur. Mais lorsqu'il était arrivé à Jésus, on disait à Jésus, l'homme-là était pécheur. Ah, oh, l'homme-là était un grand pécheur. Ah, oh, c'est un publicain. Et c'est une boîte de verre. Tout le monde le connaît dans la société. Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que l'homme-là de la volonté et était docile. Et il voudrait avoir le salut. C'est pourquoi il a couru devant la presse, devant la foule. Et c'est pourquoi il est monté sur un sycomore. C'est pourquoi il voudrait voir Jésus-Christ. C'est pourquoi il a obtenu ce salut-là. C'est votre tour ce soir. Je dis, c'est votre tour ce soir. Où êtes-vous là-bas? Il va sauver votre âme. Il va pardonner vos péchés. Si vous avez de la bonne volonté, que si vous êtes docile. Vous aurez la bonté du Seigneur ce soir sur la terre des vivants. Il va convertir votre âme. Il va guérir votre corps. Il va purifier votre vie. Il va tout changer complètement. Il vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Vous allez lui répondre. Il dit, le Seigneur vous appelle. Vous allez lui répondre. Il dit, venez maintenant. Quand est-ce que vous allez venir? Venez maintenant. Quand aurez-vous le salut? Venez maintenant. Quand aurez-vous le pardon? Venez maintenant. Quand auras-tu la purification? Qui va te laver plus blanc que la neige? Qui te rendra comme la laine? Viens maintenant. Quand serez-vous guéri? Je dis, quand serez-vous guéri? Venez maintenant. Quand mangerez-vous les bonnes productions du pays? Venez maintenant. Quand aurez-vous la vie éternelle? Venez maintenant. Quand va-t-il faire de vous un candidat du ciel? Maintenant. Venez maintenant. C'est un Dieu miséricordieux. Dieu ne nourrit pas de rancune contre quelqu'un. Je me rappelle ce qu'il a fait là-bas. Dieu ne nourrit pas de rancune. Oh, je me rappelle ce qu'elle a fait. Que peu importe ce que vous avez fait dans le passé, venez maintenant, venez et plaidons, dit l'Éternel. Quand vous confessez, que vous abandonnez vos péchés et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il va ôter tous ces péchés. Vous ne serez plus les mêmes encore. Est-ce que vous allez venir? Il dit, est-ce que vous allez venir? Je dis, est-ce que vous allez venir? Quand? Venez maintenant. Tête baissée, les yeux fermés. Christ veut vous avoir dans son royaume. Il veut vous mouiller de son amour. Il veut vous transférer son salut. Il veut vous laver nettement. Il veut vous purifier comme la laine, plus blanc que la neige. Il veut le faire maintenant. Il dit que vous devez venir maintenant. Tête baissée, les yeux fermés. Si vous venez pour la purification là, si vous venez à Dieu, vous voulez venir à Dieu parce qu'il vous appelle. Si vous venez pour le pardon parce qu'il vous appelle. Si vous n'allez pas donner aucune excuse parce que Dieu vous appelle. Oui, Seigneur, je viens. Où que vous soyez, vous levez la main là-bas. Gloire à Dieu merveilleux, levez la main là. Seigneur, je viens, levez la main là. Seigneur, je viens, levez la main là. Et vous allez vous tenir debout. Vous allez vous tenir debout. Vous identifiez devant le Seigneur. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Je viens à toi. Je viens à toi. Et le pardon est gratuit. La purification est gratuite. Le salut est tout gratuit. Que venez maintenant. Si vous venez, prenez ce que vous avez, venez devant. Prenez ce que vous avez en main. Et venez devant le Seigneur même.
vous appelle. Venez. C'est un verbe d'action. Venez. 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 Dieu vous appelle. Partout où vous êtes, vous levez la main. Et vous levez. Il vous appelle à venir. Faites un des pas de foi. Seigneur, je veux. Si vous avez de la bonne volonté, que vous êtes docile, vous mangez les meilleures positions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, le salut là, vous l'aurez. Vous aurez le pardon. Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Avoir de la bonne volonté et être docile. Il pardonnera vos péchés. Vous êtes docile, vous avez de la bonne volonté. Vous ne regardez personne autour de vous. Vous ne pensez à ce que les gens diront. Vous ne pensez à ce qu'ils diront. Dis, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Vous allez quitter là où vous êtes. Parce qu'il dit que venez maintenant. Vous faites cela en obéissance au Seigneur. En obéissance à son invitation. Une grande invitation. L'invitation de Dieu. Afin de vous donner une grande impartition. Jeune homme, Dieu t'attend, viens. Jeune dame, Dieu t'attend, viens. Papa, Dieu t'appelle, viens. Maman, Dieu t'appelle, viens. Tu crois que tu es une bonne personne? Il va venir tout de même. Tu crois que tu es une personne très gentille? Dieu t'appelle, viens. Je suis généreux, je fais de bonnes choses ici. Dieu t'appelle. Il dit que tu n'es pas un ange. Tu n'es pas aussi parfait qu'un ange. Peut-être tu es bon, tu dois être excellent. Peut-être tu es doux. Tu dois être comme un ange. Et tu n'es pas comme un ange. C'est pourquoi il dit, viens. Si tu es mauvais, mais comme Dieu vous appelle, il va changer ce qui est mauvais en bon. Il va purifier ce qui est sale et rendre cela pur. Il va te purifier, te laver. Il va te pardonner et te donner la liberté. Il va t'affranchir. Viens. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures provisions du pays. Quand vous venez, fermez les yeux et priez le Seigneur. Dis, Seigneur, je viens. Je suis pécheur. Seigneur, je viens. Je confesse mes péchés. Seigneur, je viens. Je veux un changement dans ma vie. Seigneur, je viens. Je veux ton pardon dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur, je viens. Je veux la consolation du salut. Seigneur, je viens. Je veux l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Seigneur, je viens. Dis-lui, je viens. Dis-lui que tu viens. Dis-lui que tu es venu pour le salut. Tu viens pour la vie éternelle. Dis-lui que tu viens sur la base de ses promesses. Parce qu'il a promis de te pardonner, c'est pourquoi tu viens. Il va ôter tes péchés et ne vont plus s'en souvenir. Merci Seigneur de m'avoir reçu. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Remerciez-le. Jésus est mort pour vous. D'ôter tous vos péchés. Je vais prier pour vous maintenant. Levez ces mains là, tout comme je prie pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta promesse. Nous te remercions parce que tu ne peux jamais faillir. Merci parce que tu ne failliras pas. Merci Seigneur parce que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Je prie pour tous ceux qui sont venus en Christ en réalité. Ils sont venus dans la foi. Se tenant sur les promesses infaillibles de Dieu. Je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Purifie-les au nom de Jésus-Christ. Lave les plus blancs que la neige au nom de Jésus-Christ. Oublie tous leurs péchés. Que cela ne soit plus rappelé contre eux. Je prie que tu leur donnes une nouvelle vie maintenant. Seigneur, donne-les une nouvelle vie maintenant. Rends témoignage à leur corps qu'ils sont enfants de Dieu. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et donnez-moi un autre Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, c'est l'heure de conseil. Les conseillers sont là. Ils vont donner une fiche à remplir. Et quand ils s'identifient avec vous, que vous êtes venu pour le salut. Et Dieu, dans sa fidélité, vous a accordé ce salut. Vous êtes venu pour recevoir le pardon de Dieu. Le véritable Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon vous a pardonné. Rapidement, conseillez, donnez-leur la fiche. Faisons tout à temps. Après ceci, je viendrai prier pour les malades. Ce soir, c'est le soir de votre guérison. C'est le soir de votre miracle. Les maladies incurables seront guéries ce soir. Je crois que vous allez me dire amen. Gloire à Dieu. Et dit gloire à Dieu. Vos miracles viennent. Où êtes-vous là-bas? Votre miracle va vous localiser maintenant. Quels que soient vos défis, quels que soient vos problèmes, le Seigneur va vous toucher maintenant. Ce soir, c'est le soir de solution. C'est le soir de guérison. C'est le soir de miracle. Cela vient maintenant. Où êtes-vous là-bas? Levez la main. Vous avez posé la main là où vous avez le défi. Et nous allons prier. Rappelez-vous, si vous avez de la bonne volonté, que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est une promesse infaillible de Dieu. La puissance infaillible de Dieu va agir dans votre vie maintenant. Identifiez le problème et vous imposez la main au problème. Si vous êtes aveugle, vous allez voir. Si vous êtes paralytique, vous allez vous lever et marcher après la prière. Vous avez une maladie incurable, après la prière, vous allez voir que le miracle est déjà là. Donc, je vais prier maintenant. Lorsque vous aurez entendu le dernier amen, vous allez vous examiner. Vous allez voir le miracle, la solution déjà là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu es un Dieu puissant. Tout est possible avec toi. Tes promesses sont oui et amen. Tu ne peux jamais faillir. Tu ne failliras jamais. Nous savons que ce soir que tu es toujours puissant et fort. Saint Jésus, nous t'invoquons. Ce que tu as fait lorsque tu étais sur terre, le nom là le répéterait là ce soir. Nous venons dans la puissance et dans l'onction du Saint-Esprit. Je prie Seigneur que l'onction brise toujours. Que tu détruises les œuvres du diable ce soir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont tourmentés par les démons et attaqués par les démons, je commande que les démons sortent au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui circulent dans votre corps, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des gonflements, des tumeurs, l'hernie, quel que soit le cas, le fibrome, des tumeurs dans le ventre, au cou, dans le pied, quel que soit le cas. Je te commande, tumeur, quitte là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie beaucoup pour ceux qui ont des maladies incurables. Le VIH, je te commande maintenant, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Cancer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus-Christ.
Les reins morts, reprenez vie au nom de Jésus-Christ. Diabète, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des gens qui ont une toux terrible, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que l'asthme soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, je prie, Seigneur, par ta grande puissance, touche et guéris-les maintenant. Délivre-les maintenant. Affranchis-les maintenant. Je prie pour les aveugles. Je prie que tu touches ses yeux aveugles. Yeux aveugles, ouvrez-vous et voyez très clair au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont des sourds-muets, Seigneur, touche leurs oreilles, touche leur langue et qu'ils parlent et entendent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés d'une manière, ayant la paralysie partielle, ou ceux qui sont à béquille, ceux qui sont dans le fauteuil roulant, avec la colonne vertébrale faible, dans la dédouleur aux jointures, je vous commande de douleur, sortez au nom de Jésus-Christ. Paralysie sort au nom de Jésus-Christ. J'envoie la puissance de Dieu sur vous. Tenez-vous debout et marchez. Tenez-vous debout et marchez. Seigneur, confirme-le, Seigneur. Je prie pour tout le monde, Seigneur. Partout, je prie. Partout où vous vous trouvez, recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance maintenant. Vous êtes affranchi, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Confirme le Seigneur pour tout le monde. Je te remercie parce que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Examinez-vous. Vous allez voir.